Les copines, je vais vous faire voir ma décoration et mon bureau qui est monopolisé. Je ne peux pas scraper pour l'instant. On y va. Voilà. Alors, mon couloir. Voilà, regardez-moi ça. Voilà. Je suis obligée de mettre un grand drap blanc sur mon bureau. Voilà. Là, c'est deux colis que mon mari a été chercher au Mondial Relais pour mon Noël. Bah là, c'est mon cure-verre. Là, c'est le lit du petit qu'on va avoir la semaine prochaine. Voilà. Maintenant, on va retourner dans la salle à manger. Voilà. Allez, on retourne dans le couloir. Voilà. Alors commençons d'abord par là. Regardez. Voilà. Là, il y a la lampe qui éclaire un petit peu. Je vais me rapprocher. Voilà. Là, il y a le Père Noël. Dis bonjour aux copines, Père Noël. En haut. Comme vous voyez, il y a des cadres chinois, j'adore ça. Voilà. Nous allons continuer. Ça, c'est ma vitrine, mes poupées, mon Bouddha. J'en ai un aussi sur la table. Regardez, paf, le Bouddha. Voilà. Alors, je vais aller doucement pour pas que vous ayez le mal de mer. Là, c'est ma vitrine avec tous les trucs chinois. Après, vous avez le petit bonhomme de neige. Voilà. Après, je vais faire le tour de la table. Là, c'est la porte de mon garage. Je vais vous emmener au sapin. Voilà, voici mon sapin. Là, évidemment, il y a le petit train, mais il est HS parce que mon petit-fils n'arrête pas de le faire tourner. Donc, il faut que je remette des piles. Le petit fan qui est illuminé. Voilà. Comme ça. Là, vous avez une guirlande à gouttes d'eau. Voilà. Les fenêtres qui sont décorées. Vous voyez le sapin reflété dans la vitre. Et là, voici mon petit village de Noël. Voilà. Voilà. Là, il y a des skieurs. Là, il y a le petit Père Noël. Voilà. Je vous fais un ensemble. Voilà. Voilà, excusez-moi, j'étais en train d'allumer. Et voilà, regardez, au fond, avec des étoiles, une étoile filante. Ça, c'est la crèche. Et là, ce que vous voyez ici et ici. Ces deux cure-verres à moi, ou ces blindés de scrapbooking que mon mari a pris à mes deux nappes blanches et une planche pour faire le village de Noël. Voilà. Oh, c'est un peu dur de se relever. Hop, voilà. Voilà.
Bien sûr, toute cette décoration, c'est mon mari qui l'a faite. Le décor aussi. Car moi, j'étais malade. Voilà. Un petit tour encore. Allez, pour vous faire plaisir. Voilà. Là. Le Père Noël. Avec la guirlande qui clignote encore, voilà. Voilà. Voilà, ben là je suis face à vous pour vous dire bonjour quand même. Bonjour les copines, j'espère que tout le monde va bien. Ben on est le mardi 15 décembre. Et je voudrais remercier toutes celles qui m'ont mis des très très gentils messages par rapport à ma vidéo que j'ai mis il y a à peu près 2 jours. J'ai reçu énormément de messages de gentillesse, de réconfort. Ça m'a tellement touchée d'avoir des copinettes aussi vaillantes. Je vous dis merci beaucoup, ça me fait très très plaisir. Et merci aussi aux nouveaux. Voilà. Je viens de recevoir une lettre de C. Carole, qu'elle avait fait un concours pour gagner des gnomes. Donc c'est moi qui avais gagné. Alors je vous montre les gnomes. Voilà. Trucs, voilà. J'en ai deux comme ça. J'espère que vous voyez parce que ma caméra est à l'envers. Voilà. Voilà, avec tout ce qu'il faut dedans, le truc. Le petit stylet, la petite colle et une petite chaînette. Donc, merci beaucoup, Carole. Et je vais vous faire voir aussi la très, très, très jolie carte qu'elle m'a faite. Regardez. Je vais me rapprocher parce que là, comme mon portable est à l'envers, je sais pas si je suis bien dans le champ de la caméra. Voilà. Très 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 jolie carte. Félicitations, je te souhaite bonne réception des gnomes. Je n'ai pas eu le temps de faire une carte plus élaborée. C'est pas grave, Carole. Déjà, c'est une très très jolie carte qui me fait énormément plaisir de me suivre. C'est normal aussi, hein. Tu fais des vidéos vraiment très très bien. C'est normal. Entre copinettes, il faut se soutenir. C'est ce qui est le plus important. Parce que les vrais amis, on les a. Mais une fois qu'on part de l'endroit où on a nos amis et qu'ils nous lâchent, qu'ils ne nous donnent plus de nouvelles. Donc c'est avec les copinettes qu'on se soutient mutuellement. D'autres lots à gagner, petite pépite. Je te souhaite de passer de bonnes fêtes. Ben moi aussi. Moi aussi, Carole, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année avec ta famille. Vraiment, regardez-moi ça. J'espère que je suis bien dans le champ de la caméra. Voilà. Voilà. J'espère que vous la voyez bien. Ah, on peut le faire comme ça. Elle est papillon. Voilà. Et ben, à part ça, ben, je vous remercie toutes et tous de vos messages vraiment chaleureux, de soutien énorme. Ça m'a énormément touchée. Merci à vous toutes.
Et ben, je vais vous laisser, je n'ai plus rien à faire voir. Non. Ah, par contre, mon mari, il a été au médecin ce matin, il a une grosse rhinopharyngite. Il a mal ici, des douleurs, il a mal dans le cou, plus un torticolis, plus une sinusite. Et ça continue, les enfants, ça continue. Ah oui, on garde le petit qui était malade, alors on a chopé la rhinopharyngite. Mais chez les grandes personnes, j'ai l'impression que la rhinopharyngite est plus importante. Et ma fille aussi, elle est malade aussi. Elle a une angine. Voilà. Comme le médecin a dit à mon mari, les gens qui se protégeaient avant avec les masques, il y avait moins de consultations. Depuis que les gens ne mettent plus de masques, il a des malades, des patients tous les jours. La salle d'attente, elle est bondée. Et c'est pour ça, il faut vous protéger, les filles. Protégez-vous, protégez votre famille. Et bien, à part ça, je vous souhaite une très, très agréable soirée, fin de soirée. Soirée, bonne nuit. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vais essayer d'attraper quelque chose, si je peux, pour faire une carte, pour faire un tuto. Mais je ne vous promets pas, mais je vais faire tout mon possible pour vous faire un tuto. Voilà. Allez, je vous embrasse. Très fort. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit. N'oubliez pas un petit pouce, un petit message que je suis ravie de lire et de vous répondre. À très bientôt, je vous embrasse et je vous aime. Ciao!